Là, je vais vous faire tous mes mascaras. Donc, j'en ai beaucoup. On va commencer tout de suite. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Voilà, donc je vais vous montrer mes mascaras et vous dire où je les ai achetés. Et voilà, si je les ai rachetés, si je les trouvais bien ou pas. Voilà. Alors il y a le Max & More Mascara de chez Action. Donc c'est le volume mascara. Lui, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas du tout s'il est bien ou pas. Dites-moi vous en commentaire si vous l'aviez testé. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci que je teste depuis longtemps, qui est pas terrible. Vraiment, il vient de chez Timou. Voilà. Je vais le finir, mais il n'est pas terrible. Voilà. Il était vendu par 3. Voilà. Ensuite, il y a le mascara de chez... Ah, je ne sais plus. Celui-ci là. Je ne sais plus. Dites-moi si vous savez, je ne sais plus du tout d'où il vient. Voilà. Ensuite, il y a un mascara de chez Peguissage que j'ai pris aussi pour vous. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé. Voilà. Il y a un autre mascara de chez Max & More. Pareil, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne sais pas ce qu'il vaut. C'est celui-ci là. Ensuite, il y a un autre mascara de chez Peguissage. Voilà. Celui-ci, pareil, je crois que dans le concours, je vous l'ai mis, voilà, et comme ça vous me direz. Voilà, je sais plus. Déjà celui-ci c'est sûr, mais celui-ci je sais plus si je vous l'ai mis ou pas. Voilà. Donc c'est les mêmes, c'est juste que c'est celle-ci c'était l'ancienne collection, ça c'est la nouvelle je crois, ou quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est exactement les mêmes, c'est juste le packaging qui change. Mais c'est les mêmes. Voilà. Ensuite, il y a un Maybelline New York. Je sais pas s'il est bien. Voilà. Ensuite, il y a un W7. Pareil, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas du tout. Tout cela, je ne les ai pas du tout encore testé, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Ensuite, j'ai un mascara Maybelline New York. Ah, c'est pour les... Ouais. C'était pour les sourcils. Bon. J'ai oublié de le mettre, je l'ai mis dans les mascaras, mais non, c'était pour les sourcils. Bon. C'est pas grave. Ensuite, pareil, bon bah décidément, hein, n'importe quoi. C'est un gel mascara à sourcils. Donc, voilà.
pas du tout ce que ça vaut. Celui d'Anastasia Beverly, apparemment, il est très très bien. Les autres, apparemment, c'est un petit peu la galère. J'en ai jamais utilisé, donc à voir. Je crois que celui-ci, c'était chez Timou. Je ne veux pas dire petit, je ne sais plus. Voilà. Ensuite, il y a un... Ouais, bon, on va dessiner. Décidément, n'importe quoi. C'est un autre mascara pour les sourcils. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai mélangé mascara à sourcils et les mascaras. Donc, c'est un autre mascara à sourcils. Je sais pas du tout de celui-ci. Je crois que c'est normal aussi. Mais je sais plus. Pareil, je l'ai pas utilisé. Je sais pas ce qu'il vaut. Donc, j'ai plus de mascara à sourcils que j'ai prévu. Ensuite, deux mascaras waterproof. Voilà. Je sais pas du tout ce qu'ils valent. On verra. Je crois que c'était Timou, ça. Voilà. À tester. Voilà, tout le monde. C'était ma vidéo sur tous mes mascaras. Dites-moi si vous avez des mascaras à me recommander que j'ai pas et que j'ai pas testé. Ça sera avec plaisir de pouvoir vous lire. Parce que je sais que Séverine, t'as fait une vidéo sur tes mascaras. J'ai vu que il y avait des mascaras que je n'ai pas testé, que je connaissais pas spécialement. Donc je pense que je vais tester. Voilà tout le monde. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Attends la prochaine vidéo, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.